Là dedans, quoi. On va pas mettre longtemps, hein. On va mettre 5 secondes. C'est parti. Vas-y, ouvre. Hein? Hein? Oui! Oui! Regardez! Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Studio Bubble Tea. Alors, regardez, nous avons toujours notre petite piscine qui est ici avec nous. Et là, bah, Kelly Satana se cache derrière les structures. Oh. Hello Athéna. Allô, c'est une cache. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon alors là, vous avez ouvert, alors attendez, on va vous montrer, on a reçu ça par la poste, c'est Altaïa qui nous a envoyé ça, on les remercie. C'est, vous pouvez trouver ça dans tous les marchands de journaux. Chez tous les marchands de journaux, c'est du Maxi Lime & Co. En fait, il y a plein de pots de slime différents. Exactement. Donc, en fait, il y a énormément de modes d'emploi. On ne sait pas pourquoi, par contre. Alors, en fait, voilà, je t'explique. Parce qu'il y a, bon, il y a deux pots de chaque. Il y a deux couleurs. Il y a deux bleus, il y a deux jaunes, il y a deux gris, etc. Et pareil pour les modes d'emploi. En fait, toi, il y a ici, tu as le gris qui correspond au gris. Là, tu as le jaune qui correspond au jaune, etc. Donc, il y a deux modes d'emploi également par... couleur. Donc on peut prendre déjà un mode d'emploi au hasard, après on va faire le purigo, c'est le slime. Regardez en fait, dans les pots de slime, il vous explique plein de choses sur le slime, comment le faire, qu'est-ce que c'est écrit en espagnol et en français. Voilà, fais des expériences avec ton slime, amuse-toi avec le slime, du slime congelé par exemple. Il y a plein de trucs, hein. Vraiment il y a des expériences. Voilà, puis il y a tout ça, comme différents slimes, et on va en ouvrir un de chaque dans cette vidéo. Voilà, on va s'amuser. Et derrière chaque flyer, il y a aussi des petits jeux, ça c'est une solution, c'est pas drôle. Voilà. Les jeux sont ici. C'est moi voilà. Qui vais commencer ouais. À choisir. Maintenant, on va ouvrir le slime. Non, je peux commencer à en prendre. Et vous allez l'ouvrir où? On peut l'ouvrir, je sais pas, ici par exemple. Je vais le prendre en plus. Sur le canard, comme après, vous voulez. Après, je vais prendre le métal. Quoi quoi. Est-ce que tu vas y arriver? Oui. Donc là, tu as pris le slime gris. Alors, le slime gris, regarde. C'est le slime. C'est du slime comment? C'est le slime métallique. Métallique, exactement. Celui-là, c'est un petit peu pareil, c'est le slime bronze métallique. Bronze métallique et argenté métallique, t'as raison, Athéna. Le jaune, c'est quoi? Le fluo. Le jaune, il brille dans le noir. Ouais. Le rouge, il est extrême. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, extrême. Le vert, il est quoi? Ben, il change de couleur quand c'est chaud ou quand c'est froid, peut-être. Et le bleu, il est fluorescent. Oh. Ah d'accord, ah oui c'est métallique, bah c'est du slime hein. Tu veux le mettre où pour jouer avec, parce que là il va t'échapper les doigts. Hop là. Oh. Est-ce que tu peux m'en donner un peu? Oui, ah oui d'accord. Ça, il y a de l'eau. Il y a énormément d'eau dedans. Oh ça l'a fait rater. Ah oh, il n'y a ça, pas vraiment du slime en fait. C'est un petit peu comme dans Terminator. À un moment donné, il y a un méchant, bah, il se transforme en slime argenté comme ça. Ah non. Ok. Regarde-le en main, je vais t'en donner un autre. Allez, le slime, parce qu'on peut mélanger les couleurs aussi, hein, c'est drôle. Le slime bronze argenté. Allez, tu veux l'ouvrir, Félix? Tiens, donne. Ah non, je veux l'ouvrir puisque j'en ai même pas ouvert. Ok. D'accord, mais je sais pas si tu vas réussir à enlever le plastique. Si tu vas y arriver? Et puis on enchaîne, c'est pas grave. On peut essayer le slime rouge extrême. Ouais. Allez. Oui, c'est entendu le bruit. Ah non. Allez, viens là, toi. Ah, je perds des morceaux. Et. Alors, si je prends du slime et que je le mets dans la piscine, ça fait quoi? Ça coule, ça coule, mais ça fait rien de spécial. Trop glace, je peux... Attends, tu vas te mouiller les manches. Je vais toucher. Ok, alors est-ce que tu y arrives, Athéna? Non. Le couvercle. Oh. Ah, il y a le couvercle du argenté. Et pouing. Tiens, Athéna. Allez, je te remets dans le pot. Tu voulais l'ouvrir tout seul. Vas-y. Ouais. Et si on mélange les deux, ça fait quoi? Mais tu mélanges pas tout.
En fait, ça se mélange pas super. Attends. Et là, le slime extrême. J'arrive pas. Oui. Alors, drink. Par contre, ça mouille le slime. Il est comment? Il a la même texture, ouais, à peu près. Ok. Allez, on essaye. Le fluo. Okay. Donc le jaune pour Calice, allez, je donne le bleu pour Athéna. Vas-y, non, le vert. Ok, c'est ce qui change de couleur. Oui, j'aime bien ce qui change de couleur en fait. Oh, la couleur! Elle est trop classe. Bon, il est fluo celui-ci. Ah non, celui-ci. Ah non, par contre, non, pardon. Celui-ci brille dans le noir en fait. Bah, il est fluo. Non, après t'as le fluo, c'est le bleu. Et lui, il glow in the dark, c'est-à-dire qu'il est phosphorescent. Donc en fait, il prend la lumière, il a une mémoire de lumière, regardez. On va le mettre à la lumière. Hop. Voilà, il faut normalement le mettre un certain temps quand même. Hein. Non, pour l'instant pas du tout. Hein. Pas du tout, il faut vraiment qu'il prenne la lumière. Cherchez le bleu. Il y a eu un gros bug au niveau de la caméra, j'espère que je vais pouvoir récupérer les vidéos, les données. Et voilà les filles, donc oui, comme je disais juste avant, en m'amusant à jeter la caméra comme ça, j'ai fait une fausse manip et du coup ça n'avait pas enregistré la petite partie qui correspondait à l'ouverture de quel pot? Du bleu et du vert. Oui, le pot bleu électrique blue. Il est très joli, il est fluo, voilà, bon, on va dire qu'il est fluo, oui effectivement, il a quand même un bleu assez flashy. Et toi, Athéna, tu étais en train d'ouvrir... De vert. De vert. Et c'est un, et c'est une pâte qui change de couleur. Regardez, vert, hein. Regardez le poster, Maxi Lime, il y a le métallisé, le rouge, le bleu, le change de couleur ici, qui passe du vert au blanc. En vente ici, en vente ici, mesdames et messieurs, Cali, je te vends un petit pot de slime pour 300 euros, c'est pas cher. Vous savez pas. J'en ai déjà en plus. Non, chez les marchands de journaux, bien sûr, ça à 2,99€. Hein, toute la boîte, hein. Comment on va faire pour faire changer de couleur, à ton avis? On le met au micro-ondes. Au micro-ondes, j'ai un peu peur pour le micro-ondes, surtout, je sais pas si ça explose, ces trucs-là. Mais effectivement, hein, peut-être qu'en le faisant chauffer, ou dans l'eau, hein, on va le mettre dans l'eau. Oui. Ah, peut-être que c'est le froid. À mon avis, c'est plutôt le chaud qui fait changer de couleur. Oui, oui. Allez, allez. On va la mettre dans la piscine. Oh, j'adore. On dirait des méduses. On dirait une limace. Oh. En tout cas, ça change pas de couleur. Bon, allez, j'ai ça au micro-ondes, soyons fous. Allez, oui. On va faire exploser le micro-ondes. Le micro-ondes. Allez. Bon, allez, je prépare ça et on regarde ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. On va péter les plombs. Allez, non, on va pas mettre longtemps, hein. On va mettre 5 secondes. C'est parti. On s'arrêtera à 5. On ouvre à 5. Avec les reflets, on voit rien du tout. Oh, ouvre. Vas-y, ouvre. Hein? Hein? Oui! Oui! Regardez! Ça y est! Il est chaud? Oh! Il est chaud, il est tiède, ça va. Il a changé de couleur, Athéna, t'as vu? Il est blanc! Ouais, ça a marché! Allez, on y retourne? Oui! Vas-y, prends ton slime. Et si tu le mets dans la piscine, pour le coup, je pense qu'il va redevenir vert. Ouais. Regarde Athéna. J'ai vu. Regarde. Non, ça devient, c'est brûlant. Ça marche. C'est brûlant. Regarde Athéna, ça y est, ça marche, regarde. Ça redevient vert petit à petit. Bon bah, faut le mettre longtemps, hein. T'as vu? Ah. Ouais, trop fort. Bon bah... La patrouille s'est transformée en ballon, c'est extraordinaire. Ok. C'est pour ça qu'on l'appelle extrême, parce qu'il se transforme en ballon. Bon voilà, en tout cas je suis content. Bah, du coup maintenant on peut revenir à la suite de la vidéo d'après. D'ailleurs vous avez remarqué que Calice et Athéna n'étaient pas habillés de la même manière, parce qu'on a porté ça le même jour du coup. J'ai un petit air de super victoire moi avec ma mèche. Enfin bon bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, ben laissez un petit pouce bleu, un max de pouces bleus, téléchargez l'appli, voilà. Ça fait toujours plaisir, il y a plein de choses dessus. Bien sûr, vous pouvez voir les vidéos des trois chaînes, vous pouvez participer à des concours, il y a des mini-jeux, vous pouvez gagner des étoiles, plein de choses et des cadeaux à gagner toute l'année, tous les jours. Donc allez faire un tour, voilà. Et puis merci encore de nous regarder, ça nous fait super plaisir. Je voulais vraiment
vous le dire. Et puis Calice et Athéna s'éclatent aussi grâce à vous, voilà, parce qu'elles ont plein de choses comme du slime. Donc voilà, ne changez rien, continuez de nous regarder. On vous aime, vous êtes les meilleurs, vous êtes beaux. Je vous kiffe, on vous kiffe. Et on vous fait des gros bisous. Et merci encore tous les jours, parce que tous les jours, vous venez nous voir pour prendre une photo, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Et ça fait super plaisir. Donc voilà, ça nous touche. Et on vous aime. Allez, à demain. Ciao, bébé. Regarde comme j'ai. Et bien sûr, les filles. Oh, bébé. Ouais, vivez vos rêves. Allez, ciao, ciao. Ciao, j'ai une non-bise. Ah, ben dis donc. Mais t'as la gastro ou quoi? Non, mais c'est qui a fait une blague comme ça? Non! Je suis pas prêt.